Il est tourné. Alléluia, 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 alléluia. Que le Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous sanctifie, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors nous venons de terminer le baptême de la bien-aimée sœur Anne qui est en train de retourner pour se changer. Donc par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé et elle a été remplie. Maintenant, nous allons poursuivre notre mission par la grâce de Dieu dans une famille d'au moins 5 à 6 personnes qui nous attendent pour leur délivrance et après nous allons également planifier leur baptême. Je tiens à vous rappeler que nous sommes actuellement dans la ville de Ngoumou avec mon bien-aimé le prophète Apollos qui est derrière la caméra, mais sachez qu'il est là. Donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, soyez remplis, et j'avoue aussi que plusieurs personnes passaient et ne comprenaient pas ce qui se passait, mais j'espère par la grâce de Dieu que l'évangile, également l'évangile de paix, va leur toucher. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, mes frères. Voilà. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là et nous espérons très peu que nous allons descendre avec une vraie armée, une véritable armada ici pour annoncer l'évangile dans toute la ville de Ngoumou et dans les villages environnants. Parce que même ceux qui sont dans les villages aussi méritent de recevoir la sainte doctrine. Ils n'ont pas de téléphone Android, ils n'ont pas Internet, ils n'ont même parfois pas de télé, mais ils ont besoin, ils méritent aussi de recevoir la sainte doctrine et d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ afin d'aspirer au salut éternel. Alléluia. Donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, soyez fortifiés. Shalom, shalom. Jésus, 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 Jésus.